Salut LSSM, on se retrouve pour une vidéo sur Rainsport. Alors depuis qu'est sortie la bêta ouverte, donc accessible à tout le monde gratuitement, plus de nouvelles de Rainsport, plus personne ne fait de vidéo, on n'entend plus parler de Rainsport. Donc je voulais vous faire un petit rappel sur cette simu qui malgré tout a encore pas mal de monde sur les lobbies. Donc là on est 19 je crois sur de la GT3. Moi j'ai choisi la McLaren, la Merco, la Mercedes, et on est sur Hockenheim. Donc ça va partir, je suis derrière parce que j'ai pas eu le temps de faire les qualifs tout simplement. Donc c'est pas bien grave, c'est juste pour parler un petit peu et vous dire un petit peu mon ressenti. Mais c'est vrai qu'on en entend plus parler, hein, c'est... Donc 16e sur 19, on est parti je crois pour 10 tours. Alors c'est vrai, il n'y a toujours pas de télémétrie, je crois que la VR est toujours pas disponible en multijoueur. Ah, c'est pas bien messieurs, c'est pas bien. C'est pas bien tout ça. Il y a moyen de mieux faire quand même. Bon, l'herbe, on va y aller doucement. Ce qui est marrant, j'avais pas fait attention au début. C'est que l'herbe... Ouais, j'ai une pénalité, bah oui, c'est de ma faute. L'herbe, t'as l'impression que le mec, des espaces verts, il est en vacances, quoi. T'as l'impression qu'il y a personne qui veut tondre. C'est un champ, le truc. Bon, on va peut-être pouvoir rouler quand même. Donc partie 16e, on est combien? 12e déjà. J'ai rien fait, hein. Bon, à part me faire sortir. J'ai rien fait. Donc je suis curieux de savoir votre ressenti. Depuis que la bêta est ouverte et que il est passé sous silence en fait. Ce que je devais dire à l'époque où j'avais fait le... Ah, il y a encore un petit peu de... Oh mais grand. Oh là là. Elle redémarre pas quand j'arrive, non mais... je sais même plus ce que je disais du coup. Je suis en train d'esquiver. Hein. Moi je vous cache pas que j'y vais encore de temps en temps. Parce que j'ai trouvé le FFB vraiment plaisant. Ah mais il faut mettre du TC monsieur. Hein. Je le trouve agréable, je le trouve assez fluide. Pas trop dégueulasse honnêtement, bon bien par le jardinier. Mais alors perfectible oui, hein. Mais bon. Pas à l'abri des couillons, ça forcément, mais on va éviter de parler de ça puisque c'est pareil partout et tout le temps. J'ai pas les chiffres hein, vraiment d'affluence de sur Rainsport. Mais bon, ça n'a pas l'air de d'affoler les foules quand même. Oui, il y a de la vie, hein, je vous l'avais dit. Hein. Bon, le but, c'est de rattraper les deux petits... Les deux petits devants là. Voilà, normalement j'ai pas coupé. Allez, on est 8e.
comme un con, j'ai mis ma tête au niveau du classement. Mais bon, comme je suis pas si mauvais, hop, on va m'enlever ma tronche. Top 5, ce serait pas mal. Il y a quelques Français, hein, j'ai vu, pareil. La Porsche a l'air vraiment assez plébiscitée. On va remettre un petit peu de TC, tant pis, c'est pas grave. Allez messieurs, une bagarre propre. Qu'est-ce qu'il fait lui? Tu connais les circuits ou comment ça se passe? D'accord, ok. Il joue à la manette lui. Ah c'est sûr, pour l'instant c'est pas de la bonne pub hein, pour Rennes Sport. J'ai trouvé les phares pour l'emmerder un peu. Mais comment il joue? Il joue la manette, sérieux. Là, c'est pas possible. Alors, la question va être de la vidéo. Est-ce que les free-to-play sont voués à se jouer à la manette? J'ai l'impression, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais... Allez, P7, j'ai rien fait encore. Ouais, j'ai suivi, j'ai esquivé, je me suis pas bagarré, donc ces deux là-bas, là... J'espère pouvoir me battre avec, il me reste 5 tours à peu près. Alors à combien on est? Pas tant que ça au final. Allez, on est à la mi-course, je pense vraiment que ça va être intéressant. Je regarde au niveau du fuel, je pense que c'était setup fermé, je sais même plus. J'ai pris ça vraiment tardivement, histoire de vous préparer ça pendant que je suis en vacances. Je ne vais pas vous laisser tomber de une, et puis de deux, vous savez, hein, l'algorithme YouTube, si vous n'êtes pas là, si vous postez pas de vidéo, comme en ce moment en plus c'est un petit peu compliqué. Ah, c'est une Audi devant. Allez, on revient bien ici.
Ça glisse, oui, un peu. On va se mettre à l'extérieur, il va peut-être protéger. Voilà, exactement. Comme je l'avais dit, on va essayer de décroiser. Faut tourner grand si, hein. Là, c'est un peu fait exprès, là, ton jeu. Hein. Si tu tournes pas... Oh, bah les deux, ils vont se mettre sur la gueule. Ça va pas traîner. On va attendre derrière. Toujours être patient, c'est Marcin. On n'est pas toujours le plus rapide. Il reste encore un peu de temps. 4 tours. Une Porsche, une Audi. L'Audi en travers. Vous l'avez dit. Allez, P5. En démarrant dernier, en s'étant fait striker. Bon, après, si je roule contre des mecs au clavier, à la manette, j'ai pas non plus de mérite. Hein. Et on va se montrer ici. Blocage de roue, désolé grand, je l'ai fait un peu exactement ce que le mec j'avais reproché juste avant. Loupé mon frein. On recommence, allez, il reste 3 tours. Je trouve quand même niveau graphisme, même peut-être plus propre que ACC. Si, j'ai pas dit plus joli, hein, plus propre. Allez, on va essayer de se concentrer un peu sur cette fin de course. Il est large. On est pas mal revenu ici. Et bien, je vous fais cette vidéo et ça se trouve en ce moment je suis en train de me prélasser tranquillement au soleil. Allez, on va pas faire la même erreur. Voilà, il fallait faire ça tout à l'heure, ça passe tranquillou. Bon, devant, il est très loin. À mon avis, le podium, il est assez loin. Ah, il est juste là-bas, mais bon, il va rester 2 tours. Pour vous dire, c'est mort. Je l'ai vu derrière, je l'ai vu, hein. Il est venu de l'espace, mais il m'a enfumé. Je sais pas s'il me laisse passer. C'est sympa de sa part. Il n'y a pas que des couillons. Hein. Ah, si j'avais bien démarré, fait ce qu'il fallait, j'aurais certainement pu... me battre pour le... En tout cas le podium, ça je pense que c'est sûr. Ah, c'est marrant parce que tout à l'heure je vous parlais de la... du gars qui était certainement à la manette. C'est pas méchant, hein. J'ai rien contre les gars à la manette. Hein. Mais c'est vrai que j'ai du mal sur certaines simus, certains jeux en fait. Autant le Gran Turismo, je conçois, le Forza, je le conçois, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est quand même prévu pour à la base, puisque les jeux sont développés console, donc forcément manette. J'ai rien de discriminant,
un moment on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Mais la précision elle est pas là. Et quand tu sais que c'est quand même principalement adapté, programmé, fait pour le volant, j'ai un petit peu plus de mal en tout cas. Et ils sont juste là, hein. C'est dommage. Hein. Il y a moyen de freiner plus tard. Hein. S'il reste un tour et que lui il est vraiment troisième, il y a peut-être moyen. Non. C'était pas lui. C'est pas lui non plus. Ça c'est les retardataires. Putain les gars, il laisse passer. Allez, pourvu qu'il reste un tour pour essayer d'aller attaquer. Parce que c'est 9 sur 10, à mon avis il reste 10 sur 10. J'ai toujours du mal avec ça. Ouais, la slap. Je regarde si je vois le delta. Mais ouais, ça doit être lui, hein, je pense. Non, drapeau bleu, c'est pas lui, c'est juste l'autre après. Putain, il y a des gars qui laissent passer quand même. Bon, ben bon, terminé là-dessus, hein, quatrième, si je fais pas d'erreur. J'ai gagné 13 places. Bon, je pense que... Ouais, il y a moyen de freiner un peu plus tard. Je pense que c'est une simu qui aurait aimé à être plus connu si seulement ils avaient fait les bons choix. Déjà marketing, déjà niveau tarif. Après voilà, 2024, 2025, c'est dur à se placer maintenant. Celui qui se dit je vais sortir une simu maintenant, bon courage grand. C'est comme le Ian Bell, je crois qu'il devait sortir la suite. Un nouveau studio, la suite de Pécard. Enfin, la suite. En tout cas. Faire une nouvelle simu, visiblement ça a l'air très compliqué. C'est à la limite de l'abandon le bordel, donc bon bref, vous voyez c'est très très compliqué. Et ben voilà, on en termine avec cette quatrième place. Franchement content de la remontée. Bon pas content de ce qui s'est passé en course. Comme vous l'avez vu, maintenant ça glisse sur moi. Alors je suis peut-être dans une bonne période. Mais en tout cas, on m'en bat les steaks. Ça passe pas. J'ai pas fait 60 tours de training pour en arriver là, donc... Voilà, le temps perdu est quand même limité. Bon, et ben voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous dis bonnes vacances de où je suis, parce que je ne suis pas derrière mon simu. Enfin, en tout cas, au moment où vous allez voir la vidéo, je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine. Tchuss les gars.